commencer d'abord avec la première attaque Bayern Munich qui fait à la première minute de jeu avec une frappe de Eric Maxime Choupo-Moting qui ballon lui-même il allé dehors. Le Sam t'a joué première minute de jeu comme si action était goal, il t'a 10 minutes mais le monde va regarder de loin, c'est 36 secondes depuis notre 36e seconde Bayern fait premier tir dans match football ça le ça et équipe Paris Saint-Germain était dans situation compliquée. 5 premières minutes, c'est ton 5 premières minutes, une domination écrasante de l'équipe Bayern Munich là. Paris pas capable de sortir ballon, Bayern procurer ballon. Paris et gain difficulté parce que pressing Bayern c'est ton pressing à outrance pour empêcher Paris sortir avec ballon. Eh bien première fois que Paris tente sortir c'est là à la 8e minute de jeu avec une transition de équipe Paris Saint-Germain avec Messi qui virait sous Matisse Delight, lui servi Toton Sarr qui lui-même les Zaïre Emery, une passe en profondeur qui pratiquement mal ajusté pour Neymar, défense équipe Bayern Munich là, t'a fait bonne garde, il était récupéré ballon. Bayern Munich t'a gagné possession ballon avec Paris Saint-Germain qui pas capable sortir, Paris pas capable développer et jouer li avec à chaque moment où jouer Ramos qui a écarté danger à dans camp équipe Paris Saint-Germain. Le c'est pas une intervention avec Pieli, c'est une bataille aérienne que le gagné contre Maxime Choupo-Moting ou bien Jamal Musiala. D'ailleurs, il y a une action, c'est lui-même qui retire le ballon dans pied de Jamal Musiala. C'était meilleur joueur équipe Paris Saint-Germain en deux premières périodes là n'a pas de M. Sarr qui lui-même relé Sergio Ramos qui te fait quand même une très très bonne période. Eh bien Bayern Munich t'apprends à faire une belle action, un centre coup de tête défensif de Sergio Ramos, récupération de Joshua Kimmich, frappe 25 mètres rasol de Kimmich, goalkeeper italien a parlé de Donnarumma, t'a fait bonne garde, Likembe ballon. Première période là lui-même, il finit en 0-0 avec équipe et Bayern Munich là qui était possession ballon, 57% possession de balle pour équipe et Bayern Munich là, gagné deux tirs cadrés dont action ça frappe de Kimmich à la 43e minute de jeu, arrêt de Donnarumma. Alors que de l'autre côté, c'est ton équipe Paris Saint-Germain qui était attentiste. C'était l'équipe Paris Saint-Germain qui était décidé faire quand même match première période là dans propre moitié de terrain pâle, pas de pressing. C'est ton Paris qui t'a tant de ballons récupérés pour exécuter très rapide. Mais c'est malheureusement l'équipe Paris Saint-Germain. Dans le modèle Maxayo, il faut qu'on ait des joueurs qui sont extrêmement rapides dans la transition. Et nous avons vu que le comportement défensif que l'équipe et Paris Saint-Germain ont gagné. Et le problème, non, c'est parce que normalement, leur récupérer le ballon, ils ne sont pas capables d'exécuter rapide parce qu'ils n'ont pas gagné un point d'ancrage. Ils n'ont pas gagné un joueur qui est extrêmement rapide pour jouer le ballon dans deux défenses équipe à Bayern Munich. Là. Donc, Paris était pathétique en la première période. D'ailleurs, il y a bon sens même qui c'est Benny Delva. Et puis, Benny t'a dit oh, Kim et Paris Saint-Germain, pas ridicule. Moi, je dis Benny, pour un monde qui compte football que moi, je m'en pile, eh bien, Paris était ridicule. Parce que vous jouez la caillou, c'est vous-même qui t'a supposé dicter loi pas dans le match de football. Ça, parce que c'est la caillou vous jouez. Paris pas véritablement gain vie. Côté que Soler était pratiquement inexistant dans le jeu. Monsieur Sakli même relevé à ti. Pas capable de faire match là rythme, pas capable de faire match là tempo, qui vient faire que deux avant-centres ou bien deux attaquants équipés par Paris Saint-Germain, on a parlé de Messi et Neymar, tu es obligé de retourner très bas. Et là, deux joueurs ont retourné très bas. Paris quand même gagné 30 à 45 mètres côté que pas gagné un joueur Paris Saint-Germain qui a goumé avec un joueur Bayern. Et que ce soit pour Zaïre Emery qui était un petit peu pris par ambiance stade là, pression que tu as gagné dans stade là, ajouté avec Carlos Soler, et bien joueur ça était pratiquement inexistant. Et on prend deux latérales équipe Paris Saint-Germain en première période, ils étaient obligés à surveiller tant coup lettre qui sous du feu. Monsieur Sarr qui lui-même le Kingsley Coman ajouté avec Joao Cancelo qui t'a joué demi latéral droite, demi latéral gauche, qui veut faire que Hakimi et Nuno Mendes t'es pratiquement et à l'agonie parce que eux yo pas capable de monter parce que c'est papa qui t'es toujours le ballon. Et deux n'a pas quand même te gagner deux demi latéral qui que t'es obligé bah tout ou même pour te défendre contre. Du point de vue c'était comme ça avec Ramos, c'était
meilleur joueur équipe Paris Saint-Germain en deuxième période. Ramos c'est très bon. Mon critique Ramos, on dit que Ramos son monde fini. Bon, ça va empêcher que Ramos c'est monde fini bien, mais Ramos c'est très bon pour équipe Paris Saint-Germain en dans et première période là et Kevinson. Maintenant, deuxième période là, c'était une deuxième période côté que équipe PSG à la 50e minute de jeu, t'apprends fait première action en dans deuxième période. Il a mentionné que par exemple, dans la première période, il a fait seulement un tir. Et tir là, c'était Messi qui a fait dans le temps additionnel. On dit dans la première période, dans ce coup franc, ballon qui contre. Maintenant, sous la deuxième période, l'équipe Paris Saint-Germain fait changement ça. Il a retiré Achraf Hakimi et il a mis Presnel Kimpembe qui vient de Paris, il a l'autre architecture de jeu. Et il a retiré Cancelo puis il a rentré avec Alphonso Davies. Cancelo qui n'est pas trop bon pour l'équipe Bayern Munich, qui n'est pas proposé de très grandes choses en attaque pour l'équipe Bayern Munich. Là. Et puis Paris Saint-Germain pourra le faire. Et première attaque dangereuse en de match football, ça, c'est une action sous côté droit là, avec Zaï Emery qui bat de vitesse défenseur qui était en face lien. Un centre de Zaï Emery, gagné défenseur équipe Bayern Munich. Là, on a parlé de Dayo Upamecano qui pratiquement fait une intervention pour vous mettre et Bayern Munich dans une situation beaucoup plus ou moins confortable parce que Neymar, lui-même, il était sous ballon ça. Le centre de jeu, 50e minute de jeu. Eh bien, Paris Saint-Germain prend le grand goal 3 minutes après avec un passe et de Goretzka pour être Maxime Choupo-Moting. Et Maxime Choupo-Moting fixé et Sergio Ramos, il servit Alphonso Davies sous côté gauche là. Et voilà, centre de Alphonso Davies. Toute défense, on dit charnière centrale, Paris Saint-Germain, yo même bébé, qui tout prend Marquinhos, gagné et Nuno Mendes qui pratiquement en hauteur. Et voilà, gagné Toto Sapla et intérieur, on a parlé de Kingsley Coman, qui lui-même, pas une grosse frappe, mais Donnarumma prend goal là. Oui, Donnarumma prend goal là, c'est Donnarumma qui bat goal ça, parce que c'est pas une frappe qui allait dans le deuxième poteau, c'est pas une frappe croisée, ballon, pas prend coin. Et bien, ballon après aller dans mi-temps quand, et bien, et voilà, monsieur, pour le ballon, n'a parlé de Donnarumma, le centre d'abjeu, 53e minute de jeu. 4 minutes après, gagné entraîneur, équipe Paris Saint-Germain, vient faire deux changements, avec Soler, qui était pratiquement inexistant dans le match de football, ça, il a retiré Soler, il a mis Kylian Mbappé, retiré Fabien, retiré et Zaï Emery, rentré avec Fabien Ruiz, donc Paris Saint-Germain, t'a dit, clair, dans le match de football, ça, faut li al derrière, et goal égalisation contre équipe Bayern Munich, là. Maintenant, c'était bien compté, mal calculé, dans 5 à 10 prochaines minutes, et bien Bayern Munich à la 62e minute de jeu, il y a un très bon centre de Kingsley Coman et une belle reprise dans dos Sergio Ramos de Eric Maxime Choupo-Moting. Et des goalkeepers qui peuvent aller même faire bonne garde, il était capté ballon. On a parlé de Donnarumma à la 62e minute de jeu. Et il y a une autre occasion encore une minute après, il y a un très bon travail de Jamal Musiala qui mettait pratiquement dans le vent Nuno Mendes. Et voilà, Jamal Musiala centré, gagné une belle frappe de Eric Maxime Choupo-Moting, gagné Donnarumma qui lui-même repoussé ballon et frappé sur bord transversal là pour ballon lui-même y aller dehors corner pour équipe et Bayern Munich là. Deux actions dangereuses pour équipe Bayern Munich, 62e minute de jeu avec Maxime Choupo-Moting, frappe goalkeeper capté et puis un très bon travail de Jamal Musiala et bien une belle frappe de Maxime Choupo-Moting, ballon frappé, goalkeeper a joué ballon et frappé dans bord transversal là, il y aller corner. Sous corner ça, un corner de la droite vers la gauche, il y a beaucoup de tête de Benjamin Pavard et voilà, il y a un arrêt spectaculaire de Donnarumma pour empêcher l'équipe Paris Saint-Germain lui-même lui prend deuxième goal là dans match football ça. Eh bien, révolte équipe Paris Saint-Germain après avoir commencé à partir de la 73e minute de jeu avec une passe en profondeur pour Kylian Mbappé. Eh bien, passe en profondeur de Kylian Mbappé. Un contrôle de trop de Mbappé qui, on croit que son contrôle de trop, ballon vient pratiquement et excentré qui vient permettre que goalkeeper ali même li et fermer angle de tir là et Mbappé obligé fait pichenette là. Voilà Gayon Sommer qui fait un bel arrêt pour empêcher ballon lui même li rentrer en dedans et sous action ça frappe de Neymar contrée et Mbappé mettait ballon en dedans. C'était position avancée parce que au moment que frappe là lui même il était tiré par Neymar, Gayon Kylian Mbappé qui était en position avancée. Et bien première occasion dangereuse, véritable
occasion de l'équipe Paris Saint-Germain en dans deuxième période là, c'était à la 73e minute de jeu avec Kylian et Mbappé. Et puis Paris Saint-Germain pensait que lui fait ça qui plus difficile là avec un très bon travail de Nuno Mendes. Et bien Mbappé en bon opportuniste mettait ballon en dedans, mais Nuno Mendes était en position avancée au moment que la pression voit ballon ça, une bonne position avancée parce que tu as plus d'orteils Nuno Mendes qui était en avance sous dernier joueur équipe Bayern Munich là. Le ça nous avons joué 82e minute de jeu. Et encore une fois, deux minutes après, il y a un long beau travail encore de Nuno Mendes qui pratiquement mettait dans le vent Ariel qui était en face liant. Et Nuno Mendes lui-même lui fait simple pour Lionel Messi, était au pied de Messi et ballon lui-même lui contrer dans le corps de Jamais Pavard, lui pas en train de camp. C'était seule véritable occasion dangereuse de la part de Messi dans tout match football là. Et bien, frappe Messi hein, qui lui-même contré dans quoi Benjamin Pavard y aller et en corner. Et puis même équipe Paris Saint-Germain puis elle continue sous coup équipe Bayern Munich là gros rebond qui favorable avec Vitinha, une frappe de Vitinha, il se met à faire bonne garde, il capte ballon. Donc Paris Saint-Germain sorti première minute pour arriver 73e minute de jeu. Paris Saint-Germain était pratiquement inexistante comme équipe. Dans le coup, Bayern asphyxie équipe Paris Saint-Germain. Et bien, avec la rentrée de Kylian Mbappé, qui était très dangereux, non, et tant que lui-même l'était joué dans le match football, ça, avec Lyon et première grosse occasion de l'équipe Paris Saint-Germain en deux matchs là. Arrêt de Yann Sommer sous action ça de Kylian Mbappé. Gagné Kylian Mbappé, pensez le faire voir l'égalisation. Hein? Et bien, gagné un rien équipe à Paris Saint-Germain. N'a pas de Nuno Mendes qui était très bon dans 15 dernières minutes yo, défensivement et offensivement. Et bien, et en jeu sous action ça. Et gagné un très bon travail encore une fois de Nuno Mendes. Frappe Messi en qui lui-même aller et dehors qui contre dans pied un rien équipe, équipe Bayern Munich. Là. Et puis, 46e minute de jeu, yon action de Vitinha. Et bien, ballon lui-même, lui capté. Pour le goalkeeper. Donc Paris Saint-Germain perdu 0-1 contre l'équipe Bayern Munich avec une équipe Bayern qui était pratiquement en tout contrôle jusqu'à la 72e minute de jeu. Paris et Bayern Munich était en tout contrôle avec plusieurs occasions de 2-0 que n'ont pas été capables de convertir en but. Et à partir de 73e minute de jeu avec action ça de Mbappé jusqu'à fin match football là, c'était un Bayern qui était à l'agonie avec et Paris Saint-Germain qui était beaucoup plus menaçante, mais Bayern lui arrivé Kembe 1-0 pour lui prendre une sérieuse option de qualification pour quart de finale compétition ça. Et si nous prenons deuxième période, si nous prenons la période là avec Paris Saint-Germain qui pas fait même un tir et cadré. Deuxième période là, Paris Saint-Germain quand même fait 4 tirs cadrés et Bayern Munich finit match là avec possession ballon. Bayern qui fait goal ouverture du score là, goal match football là qui finit 1-0, mais Bayern est 62e, 63e, 64e, tu es capable de faire 2-0, gagner Donnarumma qui t'a fait bonne garde sous et action ça même le c'est lui-même qui bail goal là pour t'empêcher équipe Bayern Munich là lui-même fait 2-0. Donc Bayern, 70 premières minutes, c'était Bayern. Et puis, 20 dernières minutes, c'était l'équipe Paris Saint-Germain qui était beaucoup plus menaçante que l'équipe Bayern Munich. Et au final, l'équipe qui était fait goal ouvert du score, c'est lui-même qui finit le match 1-0. Et Bayern bat l'équipe Paris Saint-Germain.